Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Syndicate. Alors, on va continuer l'histoire. Il faut qu'on se rende où tout là-bas. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Qu'un véhicule, normalement, ça va vite. Même s'il y a un kilomètre à faire. Les petites rues étroites. Je cherche une boutique aussi pour faire le plein. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous avez très bon. Il y a un coffre là-bas donc je vais le prendre, hein. Je suis à côté. Et voilà. La mission est par là-bas. Monsieur Disraeli et son cocher. Marianne Disraeli veut visiter Devil's Acre et demande à Jacob, son nouveau garde du corps, de lui emmener. Ok, tout simplement. Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse. Grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un d'aussi. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence. Le petit chien dans le sac. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Ah, c'est lui, le chien Desmond. À l'aide de la vendeuse à journaux dans les objectifs secondaires. Alors, je sais pas ce que c'est. Ce qu'on voit là, peut-être. Non, c'est la paille, ça.
Non, ça c'est un élément. Oula. On verra ça plus tard. Hein. Moi j'en ai un moyen radical de les distraire, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup. Pour la vendeuse à journaux, je sais pas trop. Il y en a peut-être plusieurs à distraire, c'est peut-être pour ça. Oh! Madame d'Israël va attendre un tout petit peu que je m'occupe de cet agent. C'est réglé. Cinglés, ils nous poursuivent comme si on était des criminels là. Allez. Ça fait un peu ambiance Halloween là. Ils peuvent pas leur collater, c'est quand même pas possible, c'est fou ça. Une voiture comme ça. Voilà. Vas-y, ma jolie. Faut pas être détecté, d'accord. C'est toute la zone rouge là, très vaste. C'est pas encore sûr, il y a encore un paquet de brutes, mais bon, elles ont l'air d'être chez elles. Mais c'est quoi ça? Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Il est chat. Mais oui, il est agressif, son petit chien, de rien du tout, là. Je pense que par mesure de sécurité, c'est quand même mieux d'éliminer les brutes qui sont ici. Hein. Je
someone come quick. Oh. Only cutthroats hide like that. Savez-vous que ce monsieur est un marchand des quatre saisons? Je trouve les travaux des classes ouvrières remarquables, pas vous? Pour ce qui est de travailler, on n'a pas le choix. Après vous. Ah, brute là. Elle n'est pas détectée. Deux brutes. Merde. Mais voilà, c'est foutu. Vas-y, je vais te défoncer là, hein. Saloperie. Tiens. C'était mérité. C'est ridicule comme cette mission là, une visite d'un vieux quartier là, bourré de brutes. Parce que madame veut absolument voir le quartier avec son petit chien qui aboie à tout va. Cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Bah, du rat peut-être. Je ne veux pas être indélicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux One. Donc ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Ah, une brute. Joli chien. Oh, on s'en fiche qu'un tout petit chien de rien. Je peux pas courir avec ça, c'est chiant. Ok. Bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui. Comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Attends, elle était en train de discuter avec une brute, elle lui a donné un bonbon. Voilà. C'est notre promeneur de chien. Oh. Allons, ne nous fâchons pas pour si peu. Thank you.
bâtiment. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en tenue de hussard. Oh, bien sûr. L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est d'un ennui mortel. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster. Mais soyez... Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh, quel joli langage. Oh. Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirai le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh. Oh oui. Ouais, bon, c'est... Les objectifs secondaires, c'est pas ça, mais on s'en fiche. Il reste un petit peu de temps. On va s'occuper un peu de missions secondaires à présent. Alors, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai que comme je suis moins à pied, ça, hein, maintenant, les petits objectifs secondaires là, qui y a partout, là, comme il y avait aussi dans Unity, je les fais moins. C'est vrai, bon. C'est pas indispensable. Il y en a un qui apparaît en permanence. Mais je suis anonyme, qu'est-ce que vous me faites? S'il vous faut autre chose, vous savez où je suis. Ah, c'est le grand assassinat alors, hein. Ouais. La fin de la séquence. Ce sera pour le prochain épisode. Donc maintenant, on va s'occuper un peu de missions secondaires, comme je vous l'ai dit. Là, c'est du niveau 9, on n'y est pas. Donc on va aller niveau 8, c'est juste, on va pas le faire. On va aller là, tiens. C'est bien. Allez, ralentis. Ah.
Un bateau, ouais. Escalader des bateaux comme ça avec des beaux mâts, ça c'était plutôt dans... Au 18e siècle qu'on faisait ça, dans les Black Flag et Rogue. Un peu dans le 3 aussi, il me semble. Tu vois, il a peur de bouger. Une petite musique toujours sympa en haut. Toujours un petit peu toutes sortes de musiques dans la hauteur, mais elles sont vachement sympathiques. On voit pas grand chose là, le temps est très mauvais. On a déverrouillé la zone nord. Ah non, enfin maintenant faut combattre le méchant, d'accord. Niveau 4. Ouais, ça devrait être facile. Les eaux de l'enfer. On ressort de là avec un kilo de peau en moins. Ça charge vite maintenant quand même hein. 19e siècle, ça y est, les armes chargent vite. Le magasin là, tranquillou. Nickel, merci. Ah, je sais pas. Non, grimpe! Abruti, bon bah tant pis. L'assassinat aérien c'est foutu, on va lui trucider la figure. Pour moi c'est réussi. Ah, faut qu'on se barre. Je pense que si on devait tout faire à pied, ça prendrait beaucoup de temps. Hein. Parce que c'est quand même des grues très ouvertes, très vastes. Déjà, quand même, en voiture c'est assez long. Voilà. La Tamise va être bientôt libre. Il reste plus que... qu'ici du coup. On va le faire maintenant. Niveau 3. Élevé du pilote de taxi maintenant. De bus ou... ouais, c'est un genre de bus. Vas-y ma jolie. Sympa ici.
Je vais prendre une rue vraiment étroite par contre. Ah, tout ça pour ça, on ne peut pas avancer là. J'aurais dû y aller par les eaux, ça aurait été plus rapide. C'est quand même vraiment pas mal hein, de pouvoir toucher à cette époque là, de pouvoir conduire ses véhicules, etc., de se promener dans ses décors. C'est bien qu'il nous ait fait quand même un jeu à une époque assez récente comme ça. Bah, ça repart tout seul, tranquillou. Ok. Oh. Il est où? Oh, c'est nul là. Là, c'est nul. Je l'ai perdu, j'ai rien pu faire. Hein. Allez-vous-en. Vous faites pas peur. Hein. Que je m'écarte pour que la mission se défasse, que je me réapproche. Sacré bâtisse. Alors il y a une belle diversité quand même, hein. Entre les quartiers d'habitation, les quartiers industriels, le fleuve, les quartiers un peu plus chics, second des rues larges, second des rues étroites, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Qu'est-ce qu'il me boit là? Oh, allez, ah, vous me faites chier. C'est pas possible ça. Je vais le perdre, c'est pas possible. Elle est agaçante cette mission. Allez, laissez-moi le... Ah, mais je voulais pas le tuer, bon, au moins je l'ai. Attends, vous allez laisser tranquille, c'est pas possible. Non, c'était blindé le monde.
ici. J'ai loupé l'endroit là. Putain. Là. Ici. Ici. Il n'y a pas mérité ça en attendant, c'était impossible de rattraper le machin. Oh, c'est des gares, comment les espèces de grands tunnels là. Un peu partout, c'est là. On garde des bandes, oulou, il y aura du boulot là. Bon, on verra ça un peu plus tard. Nous, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et tiens, ça. Oh non! Ma tas de fiante, merci. Ça va, maintenant j'arrive à me combattre des teams entières là. C'était pas forcément le cas auparavant. Après, là c'est parce qu'ils sont d'un niveau assez faible. Je pense que s'ils étaient d'un niveau plus élevé, ce serait plus compliqué. Cette fois, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao!